Il y a 3 années, le 14 mars 2010, s'est levé vers le ciel de ses certitudes l'âme de notre ami, de notre amour, de notre médium, Michel Pantin. Cet hommage rendu le temps de quelques notes musicales se juxtapose au départ d'un autre grand de ce monde, Jean Ferrat, qui nous a quittés le 13 mars 2010. Ces deux hommes, Michel et Jean Ferrat, ont pénétré ensemble le tunnel qui transporte vers l'autre rive, vers l'autre monde. Et parmi, sans aucun doute, de nombreux accueillants, ils ont rejoint un homme devenu esprit, cher à leur cœur et à leur idéal, Louis Aragon. Jean Ferrat, l'homme simple, le poète, l'humaniste à la voix chaude et engagée, nous a laissé un superbe répertoire. En ce répertoire, il a inclus et mis en musique de nombreux poèmes de Louis Aragon, autre grand de ce monde, aux idées généreuses, aux propos engagés, révoltés souvent en son regard lucide sur l'homme, sur le monde, son histoire et son possible devenir. Louis Aragon, un esprit cher à notre ami Michel, puisque depuis 1988, il était devenu son guide, esprit protecteur et aimant. Voici le message délivré par Louis Aragon lorsqu'il devint guide de Michel. Le temps est venu et l'amour fait loi. Alors, je vais prendre place pour un idéal, pour la société qu'il connaît bien et dont je rêve avec lui. Cette mission ne m'est pas seulement agréable, je l'aime. Je l'aime car je sais où je vais. Ici, la Palestine. Ici, l'abolition des frontières. Ici, le chemin de croix revu et corrigé. Ici, demain comme un oiseau sur la plus haute branche. Alors je guide, alors je lutte, alors je conseille et je donne. Alors je te dis, protège tout dans ma poésie, toi qui l'aimes tant. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaule nue, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ô mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin douce à ramer. Heureux celui qui devient sourd au chant s'il naît de son amour, aveugle au jour d'après son jour, ses yeux sur toi se le fermer. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Michel, un profil dont se dégage l'absolu. Michel, c'était une belle et forte personnalité, un engagement indéfectible auprès des esprits et auprès des humains, une force de caractère qui a fait de lui le médium et le spirit, porteur d'un message dont il fallait défendre l'authenticité contre vents et marées. Il reste évident que notre cercle s'est construit grâce à sa médiumnité exceptionnelle et sur le plan humain, grâce à sa ligne directrice qui n'a jamais varié et n'a jamais accepté la moindre compromission. Tu
Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison.